Et salut à tous, c'est Lamchon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui je ne vais pas vous commenter de match ou quoi que ce soit, tout simplement je vais vous parler d'une affaire un petit peu obscure sur Smogon. Donc vous connaissez je pense Smogon, hein, c'est tout un petit peu le support où se passe toute la strat Pokémon, un petit peu le support officiel, hein, qui repose toutes les règles, tous les tiers, tous les formats, tout ce que vous connaissez actuellement sur la strat, donc qui n'a aucun rapport avec Nintendo, hein, à la base. Et du coup, c'est un forum aussi où il est organisé plein de tournois, notamment la Smogon Premier League, le Smogon Official Tournament, Official Ladder Tournament, plein de tournois très très connus que je vous ai déjà commenté sur la chaîne, notamment Smogon Premier League où j'ai commenté la finale, et d'ailleurs c'est de ça dont je vais parler ce soir sur la chaîne, donc je vous mettrai peut-être le lien à ce moment-là dans les notifs, ou alors j'aurais probablement eu la flemme, donc ça je ne sais pas encore. En tout cas, c'était un match qui opposait Mazar à son adversaire, donc qui était Gunner Rohan, je crois, à l'époque. Mazar qui n'avait perdu aucun match de tout le tournoi, donc c'était probablement le meilleur joueur à ce moment-là de tout le tournoi, et du coup sa team a remporté la Smogon Premier League, puisque c'était un tournoi qui se jouait par team. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? On apprend tout simplement qu'en fait, depuis quelques temps, eh bien, Mazar utilise un bot, donc en fait une sorte de robot, qui permet à chaque fois qu'il a un adversaire, le bot en fait va rejoindre tous les matchs de son adversaire automatiquement. Et ça ne se voit pas en fait, c'est vous commencez un match, et là le bot va tout de suite aller sur votre match, et même si vous faites mode join pour empêcher les gens de venir, hidden room, eh bien le bot va rester. Et ça permet en fait de voir toutes les teams utilisées par votre adversaire avant de le jouer et du coup de pouvoir le counter team de manière parfaite. Et il utilisait ce bot H24 pour tous ses adversaires. Et du coup il était sûr et certain à chaque fois de pouvoir le counter team le mieux possible. Et il a fait ça du coup pour tous ses matchs, mais pas seulement, puisqu'il a fait profiter tous ses coéquipiers de ce bot qui lui a permis donc de remporter le tournoi. Et aujourd'hui on apprend surtout que Mazar va perdre la Smogon Premier League, il est tout simplement banni à tout jamais, ainsi que toute son équipe n'est pas bannie, mais perd la Smogon Premier League, donc ce tournoi que j'ai commenté, hein, la pauvre finale que j'ai commenté sur la chaîne, n'a plus aucune valeur. Mais pourquoi, vous allez me dire, pourquoi tu nous commandes ça et tout, c'est pas si important que ça. Bon, déjà si, je trouve que c'est quand même assez important, parce que Mazar c'était un bon joueur, hein, mine de rien, qui avait quand même plutôt une bonne renommée, une bonne réputation sur Smogon. Mais surtout parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de bans, beaucoup de sanctions pour Ghost. Donc Ghost, je ne sais pas si vous savez forcément ce que ça veut dire, hein. C'est-à-dire que pendant que vous jouez, il y a quelqu'un qui vous dit quoi faire, en fait c'est de la triche, c'est un petit peu comme si vous jouiez à deux. Bon, en gros, c'est interdit. Il y a beaucoup de gens qui trichent sur Smogon, et du coup, ça pose une question. D'ailleurs, je voulais vous montrer un commentaire de la part de Snow, qui pour moi représente parfaitement cette situation. En fait, ça soulève une question, c'est est-ce que pour un jeu où tu ne gagnes rien, puisque sur Smogon évidemment tu vas gagner des tournois, tu vas gagner la reconnaissance, tu vas gagner peut-être la confiance en toi, mais tu ne gagneras jamais d'argent ni quoi que ce soit en fait. Donc c'est vraiment un jeu à la base qui n'est absolument pas lucratif sur Smogon. Donc ça soulève une question, mais jusqu'où les gens peuvent aller pour gagner la reconnaissance, gagner juste un petit trophée en pixels sur un site là. D'ailleurs on le voit, Snow qui dit je viens juste de me réveiller et de voir le poste. Comment est-ce possible que chaque tournement, parce que c'est vrai que tous les tournois, en général il y a beaucoup de tournois qui se terminent en mode ah bah finalement on a découvert qu'ils avaient triché, du coup on annule le tournoi et puis personne n'a gagné. Il y a eu ça qui s'est déroulé avec NGNP récemment. Et du coup, il dit quel est le but de jouer un jeu qui est quand même, c'est vrai que c'est un jeu d'enfant à la base, on peut le dire, Pokémon, même si on peut aussi dire le contraire, à la base c'est aussi un jeu pour les enfants, sur un site qui n'est même pas officiel. C'est quoi le but si c'est pas pour s'amuser et prouver aux gens que tu es bon? C'est vrai, quel est le but de tricher en fait dans ce jeu? C'est vrai que ça soulève une question que je voulais aussi peut-être vous poser. Est-ce que vous seriez prêt à tricher, à tout faire pour gagner des matchs? Parce que c'est vrai que si tu gagnais de l'argent, on peut se dire si tu gagnais de l'argent,
On peut comprendre pourquoi tricher, pourquoi aller le plus loin possible pour remporter des matchs, mais c'est vrai que quand tu gagnes seulement de la reconnaissance, est-ce que vous seriez prêt à tricher pour gagner seulement de la reconnaissance, seulement une vraie réputation sur un site internet? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous pouvez comprendre ces joueurs-là? Personnellement, j'ai beaucoup de mal, hein. Je dirais pas que si c'était de l'argent, je tricherais, mais je pourrais comprendre au moins la démarche. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo où on en parlerait un petit peu? Ça serait plutôt peut-être dans les commentaires que ça irait un peu plus loin, parce que c'est vrai que là j'ai été un petit peu brouillon dans mes explications. Mais surtout que c'était pas forcément intéressant. Alors qu'on voit, bien sûr, les petits mimes de Smogon, hein, ils sont très très forts là-dessus, les petites images. Are you still stolen if you don't test? Évidemment. Mazar qui va prendre très très cher, hein, pendant les prochains jours. Le pauvre, mais il n'y a pas que lui, hein. De toute façon, c'était pas vraiment une vidéo centrée sur Mazar, c'était surtout une vidéo centrée sur la triche, sur Smogon. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais pas vous mentir, ça me décourage un petit peu de faire les tournois Smogon. Ça me décourage un petit peu la mentalité sur Smogon de tous les joueurs, parce que c'est vrai que c'est quand même un comportement qu'on voit beaucoup. Beaucoup de gens qui s'énervent et qui oublient un petit peu la source de ce jeu, qui est s'amuser en soi, hein. Qui n'est pas forcément de tryhard. Je pense que le tryhard a pris beaucoup, beaucoup trop d'importance. Je dis ça en étant moi-même un tryhard, mais il y a deux différents types de tryhard. Il y a le tryhard qui va tout faire, mais briser toutes les règles pour gagner, et il y a le tryhard qui va tout faire pour gagner, mais tout en s'amusant. Bien sûr, moi, si je ne m'amuse plus, je ne vais pas tryhard. Je tryhard seulement dans la limite de l'amusement. Du coup, je voulais soulever cette question un petit peu, hein, du jusqu'où aller pour gagner des tournois, jusqu'où aller pour remporter de la reconnaissance, une réputation sur un jeu, évidemment, qui n'est même pas officiel pour le coup, parce que c'est pas Nintendo. Je veux dire, c'est pas le VGC, c'est Smogon. Et aussi, je voulais vous remercier pour les 5000 abonnés, parce que je pense pas faire un truc spécial pour les 5000 abonnés, je voulais juste peut-être justement faire une vidéo un petit peu particulière et à la fin vous remercier, comme je le fais maintenant. Merci pour les 5000 abonnés, merci pour toutes les personnes qui vont souvent sur les lives, ça fait vraiment plaisir. J'espère que ce genre de vidéo va vous faire un petit peu plaisir, même si c'est vrai que je m'éloigne un petit peu du schéma habituel, mais c'est vrai qu'aussi, j'ai pas trop envie de faire tout le temps la même chose et que vous soyez un petit peu lassé. Du coup, voilà. Merci beaucoup pour les 5000 abonnés, merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne actuellement, parce que vraiment c'est pas moi qui fais le plus gros du taf, hein, c'est vraiment vous qui me donnez du courage. Allez, ciao à tous, bisous bisous, à plus.